Monsieur Kawayashi, vous présentez Magic Song dans le quintet de jeudi. Elle reste sur une victoire, courte, mais une victoire quand même. Oui. Elle a été longtemps allaitée. Je l'ai récupérée, c'était fin d'année. Mm-hmm. Et elle a fait sa rentrée tranquillement. Et là, déjà, 12e coup, elle a confirmé voilà, sa qualité. Et avec 32, voilà, elle a fait sa tâche, je pense. Oui. Vous vous attendiez à aussi bien pour une deuxième course? Ah, oui, parce que quand même, la Dimon, elle avait un peu de qualité. Enfin, elle a débuté 4 fois 3e place dans les Maiden. Oui. Donc, voilà, elle a un peu de moteur. Mais voilà, elle est un peu délicat mentalement et voilà, on a essayé de canaliser. Bon, là, c'est le jeu des handicaps. Elle n'est plus en 32, hein, c'est en 34,5. Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire aussi bien? Bah, il faut voir, hein. Mais bon, il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix. Donc. Et est-ce qu'elle est montée sur cette course en condition? Bah, sûrement oui. C'est sa troisième sortie, ça va faire sa troisième sortie après longue absence. Donc, elle est au top, voilà. Elle est au top. Alors, c'est une journée qu'il faut patienter maintenant, c'est ça? Bah, il faut monter pour elle. Voilà. Ouais. Bah, elle est un peu à lente, 500 mètres quintés à Chantilly, je pense que ça va rouler. Mais voilà, il faut monter pour elle. Voilà. On n'a pas la tactique, bon, faut aller devant, faut rester derrière, bon, juste voilà, quoi, faut monter pour elle, voilà. Là, les 100 mètres de moins, c'est peut-être même mieux pour elle? C'est possible. D'accord. Donc là, c'est, vous attendez à une confirmation, en tout cas. Voilà, on va voir si elle est compétitive à 34,5. D'accord. Bah, il faut pas que elle s'arrête là. J'espère bien que elle va faire la Ligue. D'accord. En essayant de confirmer la forme de l'écurie en même temps. Voilà.